Ces hommes et femmes sont des guérisseurs traditionnels et des tradis praticiens pour la plupart. Ici, à l'occasion du 7e Forum national sur la pharmacopée africaine et les médecines holistiques, ils sont venus s'informer et renforcer leurs connaissances. C'était ce samedi 31 août 2024, dans l'enceinte du Jardin botanique de l'Université d'abou mekalavi Une initiative de Corée des cultures internationales qui s'investit depuis plusieurs années dans la valorisation du patrimoine africain. L'objectif, c'est de rassembler les praticiens de l'ethnomédecine africaine ou les praticiens de la médecine africaine pour renforcer leurs capacités, les informer sur euh, les techniques de bonne pratique de fabrication des médicaments, euh, des phytomédicaments et également... Les, les méthodes à utiliser ou les opportunités à saisir pour valider, à recevoir l'autorisation de mise sur le marché de certains produits. Les participants sont entretenus entre autres sur les critères de sélection des plantes, leur mode d'utilisation ou encore le dosage, bref, la botanique médicale. Nous avons parlé de la botanique médicale, notamment euh, les plantes qui euh, aide à renforcer le système immunitaire de l'homme. Parce que vous comprenez, tout part du système immunitaire de l'organisme. Quand, quand c'est défaillant, eh bien, euh, on ne se porte pas bien. Nous avons parlé également de nutrition, que ton aliment soit ton médicament, parce que nous nous sommes malades de ce que nous mangeons. On a sensibilisé les participants sur euh, quoi manger, comment manger pour garder sa forme, la ligne et la santé. Dans leur manière de faire désormais, ils doivent avoir un regard sur ce que le patient mange et donner des conseils en tenant compte de la physiologie de ce patient. Au speaker, pour éclairer la lanterne de ces praticiens, soucieux d'améliorer leur manière de faire, des scientifiques, universitaires et chercheurs dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle. L'avantage que ces praticiens ont d'avoir participé à la séance, c'est déjà de leur montrer l'importance du choix de la matière première qui devrait en principe être l'élément moteur pour garantir l'efficacité de leur préparation. Mieux, le choix de la forme galénique, qui devait être également le facteur qui doit motiver la préparation, mais également garantir l'efficacité du médicament qu'ils ont fabriqué. Nous avons essayé de clarifier euh, le rôle et l'importance du système immunitaire. Dans un deuxième temps, et qui est purement botanique, nous avons parlé des critères qu'on doit prendre en compte. Pour la sélection des plantes qu'on doit utiliser dans le renforcement du système immunitaire et pour utiliser une plante, il faut passer d'abord à l'identification et à la certification de ces plantes-là. Et l'institution qui est la seule institution qui est habilitée aujourd'hui, c'est l'herbier national du Bénin. Exposé sur les composantes de certaines plantes, la nécessité de se former au quotidien et la réglementation en vigueur au Bénin dans le secteur. Sont entre autres informations partagées avec les participants. Ceux-ci ne cachent pas leur satisfaction à la sortie de la séance. Il y a beaucoup de choses à faire et on ne saurait le faire en rang dispersé. Je crois que c'est ce que nous avons gagné. Et deuxième chose, la nécessité d'être formé. Parce qu'il faut être formé sur les processus, sur les procédures, sur les équipements et les exigences qui peuvent permettre de mettre en marché les produits. Ce que j'ai encore gagné ce matin, les principes et comment cueillir les feuilles, l'heure de pour cueillir, l'heure que ça, tu peux prendre et ça va être très efficace. Avant, je connais, mais avant j'ai eu encore beaucoup de, de connaissances sur ça. J'ai euh, aussi entendu parler beaucoup de choses qui m'ont beaucoup, beaucoup intéressé parce que c'est le fait qui aiguise le fait. Je suis tellement content. Par ailleurs, des cas pratiques et des témoignages de succès dans l'utilisation des plantes au service de la santé humaine ont également meublé cette initiative de Corée des cultures internationales. Les participants, en ce qui les concerne, sont repartis chacun avec une attestation.